Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat pour nous confirmer que tout va bien pour vous? Je vois plein de gens en train de taper. Ok, super. Merci. Bah, bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e ou 10e ou 11e webinaire de Noé. On a un peu perdu le compte. Je m'appelle Maya. J'ai fondé Noé avec mes deux associés, Jules et Nino. Noé, c'est donc un programme pour lancer votre carrière de product manager. On vient de finir notre deuxième promotion. La première promotion qui s'est finie en juillet a eu des super résultats avec 80% des participants qui sont PM, senior PM chez Stewart, head of product chez Sologer, premier PM chez Fintexture, pardon, Magellan à Ecolovis, voilà. Avant ça, moi, j'étais VP product chez Aircall et avant ça, product manager chez Blablacar. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Pierre, qui est VP Product chez Tiller. Coucou Pierre. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Et bah écoute, avec plaisir. Et puis, on a aussi Jules, qui est ancien Product Manager chez Livy, cofondateur de Noé, qui sera le modérateur aujourd'hui. Coucou Jules. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va répondre à la question, quels sont les profils cohérents pour devenir Product Manager quand on ne l'est pas? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée sur LinkedIn, par mail. Est-ce que je peux devenir product manager? Qu'est-ce que tu penses de mon profil pour devenir product manager? Donc, on va essayer de répondre à cette question avec Pierre. Comme d'habitude, on essaye de faire court, 35-40 minutes maximum. On va faire 25 minutes de présentation avec Pierre, et puis ensuite Pierre et moi, et ensuite 15 minutes de questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans la section questions à droite. Attention, il y a une section questions et une section chat. Donc, posez-les bien dans la section questions. Alors, du coup, moi, j'aimerais encore une fois commencer ce webinaire en évacuant un truc tout de suite. C'est qu'il n'y a pas de profil type pour devenir product manager. Bon, néanmoins, il y a des connaissances, des skills que vous pouvez avoir et qui peuvent être un plus. Donc, on va discuter de quels sont ces skills et comment vous pouvez les mettre en avant. Alors du coup, au programme, aujourd'hui, on va commencer par voir quels sont les différents types de product manager. Il y en a plusieurs, donc en fonction de quel profil. Ensuite, on verra qu'il y a quand même du commun entre tous ces types de product manager. Et ça, c'est tout un tas de skills et de compétences. Donc on verra quelles sont ces compétences et comment vous pouvez valoriser, vous, vos expériences passées pour faire cette reconversion. Et puis ensuite, on fera un zoom sur Tiller avec Pierre. Et on prendra du temps pour les questions pour finir. Alors du coup, pour commencer, moi, ce que j'ai pu identifier en rencontrant beaucoup, beaucoup de product managers, c'est qu'il y a quand même différents styles, différents types de product managers. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes, elles ont un titre différent. C'est tous et toutes des product managers, mais ils ont quand même des colorations différentes. Bon, attention évidemment à pas tomber dans la caricature, hein. Tout le monde n'est pas forcément dans une case, bien sûr, mais ce sont un peu des patterns que j'ai pu remarquer. Donc, ça dépend des qualités de la personne, du parcours de la personne et du type de produit aussi sur lequel il ou elle bosse en tant que PM. Alors, bon, vous, à votre stade, si vous voulez devenir product manager, c'est peut-être encore un peu tôt pour vous autoproclamer un type de product manager, mais avoir ça en tête, ça vous permet quand même d'identifier une ou deux aires d'expertise que vous pouvez mettre en avant dans votre parcours. Alors, le premier type de product manager que je voulais mentionner, c'est les product managers customer champion. Désolée pour le franglais, comme d'habitude, il y en a un peu dans nos webinars. Du coup, ce type de product manager, leur force, ça va être vraiment qu'ils connaissent hyper bien les utilisateurs, leurs besoins, leur quotidien, leurs problèmes. Et ça va être vraiment des personnes qui vont être la voix de l'utilisateur en interne dans la boîte. En termes de profil, ça va être généralement des personnes qui vont avoir bossé avant sur des rôles en rapport avec les utilisateurs. Donc, bah, customer success, sales, support, par exemple. Ce type de personnes, ça va être des product managers qui vont être meilleurs dans les environnements typiquement B2C ou consumer, des apps grand public typiquement, ou alors des produits où l'expérience utilisateur est hyper importante pour la réussite de la boîte ou est centrale dans la stratégie. Donc, premier type, c'est vraiment ce côté-là, customer champion.
Le deuxième type de product manager que j'ai pu identifier, c'est des product managers, je dirais, business ou marketing. Là, leur force, ça va être des personnes qui vont très bien comprendre le marché, comprendre les leviers de croissance, comprendre la concurrence, comprendre comment se positionner par rapport à la concurrence, et puis quels sont les arbitrages, les trade-off business. En termes de profil, généralement, ça va être des personnes qui viennent d'un environnement plutôt marketing ou alors aussi des ex-entrepreneurs qui ont du coup eu à se poser ces questions de positionnement sur un marché, par exemple, de levier de croissance, etc. Les environnements dans lesquels ces personnes elles vont vraiment être au top en tant que PM, j'en vois plusieurs. Premièrement, des environnements e-commerce, par exemple. Ensuite, des rôles un peu plus seniors. Pourquoi ? Parce que à mesure que vous avancerez dans votre carrière de product manager, vous allez passer un peu de feature PM à business PM. Vous allez davantage devoir vous poser des questions business sur les grandes métriques business. Surtout si vous devenez bah voilà, lead PM, head of product ou carrément VP product, CPO plus tard, on vous le souhaite. Et enfin, le troisième type d'environnement qui est bon pour ce type de product manager, ça va être de travailler sur typiquement des flows d'optimisation de conversion, des flows d'onboarding, des pages de paiement, ce genre de choses. Donc voilà, pour les PM business marketing. Le troisième type de product manager que j'ai pu un peu identifier, c'est des product managers, je dirais, workflow, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un peu un état d'esprit détective, qui vont vraiment aimer construire des process, des workflows efficaces, optimiser chacune des interactions de vos utilisateurs. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de profil ou de background type là-dessus. C'est plutôt une question, je pense, d'état d'esprit. Et donc là, ça va être des personnes qui vont plutôt exceller dans des environnements, par exemple, de SaaS en B2B, où l'efficacité est hyper importante dans ce que le produit vend. Deuxièmement, ça peut être aussi des personnes qui vont être product managers sur des produits interne dans des boîtes où il y a beaucoup de operations. Donc, typiquement, le produit de dispatch chez Uber, par exemple. Par exemple, les produits internes de Airbnb, ce genre de produits un peu marketplace. Et puis, enfin, par exemple, sur des outils de tracking, de dashboard, etc. Moi, je me reconnais assez bien dans ce type de product manager. Je pense que si je devais me mettre dans une catégorie, ce serait là-dedans. Quatrième type de product manager, c'est product manager mobile. Donc là, bon, ce sont des personnes expertes sur les use cases mobiles, sur le design mobile, sur les besoins mobiles, des personnes qui vont connaître les spécificités, par exemple, entre iOS et Android. Alors, idem, pas vraiment de profil type, je dirais plutôt que c'est une question d'avoir travaillé ou pas sur du mobile avant. Et c'est des personnes, ce genre de profil, qui vont être meilleurs typiquement pour des produits qui sont B2C mobile first ou alors sur des rôles de lead mobile pour la partie mobile d'un produit qui n'est pas forcément 100% mobile. Léo, je vois que tu as posé une petite question dans le chat. N'hésite pas à le mettre dans la section questions pour la fin pour pas qu'on l'oublie. Donc, PM workflow, PM mobile. Le cinquième type de product manager dont je voulais parler, que j'ai pu identifier, c'est le product manager ou la product manager data. Bon, donc là, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Ça va être des personnes qui vont être expertes ou experts pour traduire la data en besoins utilisateurs, segmenter, mieux comprendre des problèmes grâce à la data, par exemple. Donc forcément, si vous avez un parcours, un profil un peu data, ça peut favoriser vos chances d'être un peu dans cette catégorie. Et donc là, ça va être des personnes qui vont être au top, soit évidemment sur des produits de data, donc typiquement, du Looker, du Periscope, du Mixpanel, du Amplitude par exemple. Mais ça peut être aussi des personnes qui vont bosser sur la partie analytics d'un produit qui est lui-même pas forcément data. Donc typiquement, bosser sur les analytics d'Aircall, de Zendesk, d'Algolia par exemple. Et enfin, le troisième environnement où je pense que ces personnes peuvent vraiment être bons, c'est des produits où la stratégie repose vachement sur la data. Par exemple, ça peut être chez Netflix où la recommandation de films, de séries est hyper importante. Ça peut être en e-commerce aussi où il y a quand même un gros focus sur la recommandation de produits, par exemple.
Et enfin, le dernier type de product manager que je voulais mentionner, c'est les product managers plus tech. Donc, davantage généralement tournés vers l'intérieur, vers la partie tech. Du coup, ça va être des personnes qui vont avoir comme force d'avoir de super bonnes relations avec l'équipe tech, forcément, mais aussi d'exceller quand les choix tech sont cruciaux pour le succès de la boîte. Alors, en termes de profil, forcément, les personnes qui ont un parcours de dev, ça marche. Mais ça peut être aussi des gens qui ont bossé dans une boîte qui est assez tech, sur un produit qui est assez tech. Les meilleurs endroits, à mon avis, pour ce genre de profil, pour être product manager, ça peut être, évidemment, vous l'aurez deviné, sur des produits tech. Donc, ça peut être du, par exemple, Twilio, du Stripe, du Algolia, des produits genre infrastructure as a service, etc. Mais ça peut aussi être des personnes qui vont être au top sur des produits pas forcément tech, mais sur un scope technique. Exemple, être product manager sur l'API chez Aircall, être product manager sur le bloc de paiement chez BlaBlaCar, être product manager chez Stuart sur la partie plateforme développeur, etc. Donc, voilà un peu les 6 types de product manager que j'ai pu remarquer, identifier par le passé. Donc, customer champion, business marketing, workflow, mobile, data, tech. Alors, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, hein, ce n'est pas une vérité absolue, c'est plutôt une grille de lecture que je vous donne hein, avec des patterns que j'ai pu voir. Et je vous le redis, si vous voulez devenir PM, c'est probablement un peu tôt pour vous qualifier de PM uniquement data ou uniquement business, mais ça vous permet d'identifier vos forces. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans la dernière semaine de Noé, entraînement aux entretiens, entraînement à parler de votre parcours, entraînement à parler de vos forces pour mieux convertir en fait vos process pour devenir product manager. Bon, donc, on a vu du coup 6 types de product manager, mais il y a quand même du commun entre tous ces types de PM. Et il y a des compétences, des hard skills que vous avez peut-être couverts dans vos expériences passées. Donc, pour vous demander comment booster un peu votre profil aux yeux des recruteurs, demandez-vous quand est-ce que vous avez fait dans votre carrière les choses suivantes. Essayez de mettre en avant dans votre expérience des choses qui font partie du quotidien du product manager et utilisez le vocabulaire product manager. En l'occurrence, faire une roadmap, comprendre un problème, faire de la recherche utilisateur, user research, tout ce qui est autour de la data, tout ce qui est évidemment autour de la priorisation d'un problème, réflexion sur une solution, prioriser différentes fonctionnalités dans une solution, tout ce qui est design. Ensuite, dans la partie plus delivery du job de product manager, c'est tout ce qui est gestion de projet, la partie leadership, gestion d'équipe. Et puis enfin, est-ce que vous avez déjà été amené à tester une solution, potentiellement itérer sur cette solution en fonction du feedback que vous avez reçu? Alors, c'est pas parce que vous avez jamais été product manager que vous avez jamais fait ces choses-là. Et moi, je me rends compte très souvent quand je coach les participants de Noé que beaucoup d'entre eux ont déjà couvert quelques-unes de ces compétences, mais déjà s'en rendent pas forcément compte et puis ne savent pas bien en parler. Et ça, c'est hyper dommage parce que ça peut être des choses qui font vachement la différence en entretien. Alors, l'objectif de Noé, évidemment, c'est de développer toutes ces compétences en situation réelle sur de vrais sujets qui viennent de vraies boîtes, Alan, Doctolib, Stuart, Malte, en fil rouge pendant 4 semaines. Alors bon, donc ça, c'est les compétences que vous avez pu acquérir dans votre passé. Au-delà de ces compétences, pour moi, il y a 2 choses cruciales. Je terminerai là-dessus avant de laisser la parole à Pierre. Qui sont plus un état d'esprit, en fait, qu'un socle minimal de connaissances, mais que je voulais vraiment mentionner parce que ça me semble vraiment hyper, hyper important en termes d'état d'esprit. La première chose que je voudrais mentionner, c'est le côté un peu sniper. Donc, le PM, c'est un sniper et ce n'est pas un kamikaze. Désolée, ce n'est pas hyper politiquement correct comme métaphore. Mais l'idée, c'est que vous avez des ressources limitées en tant que product manager et vous ne pouvez pas résoudre plein de problèmes. Vous devez vous demander quel est le bon problème. Pourquoi on fait ça? C'est quoi qu'on essaye de résoudre? Est-ce qu'on est vraiment sur le bon sujet? Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire tout le temps. En entretien, les recruteurs vont tester ça, par exemple, avec des questions type questions produits, en vous demandant typiquement, on aimerait refaire telle partie de notre produit, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, en voyant un peu la manière dont vous abordez le problème.
Donc, la première chose, c'est ça, c'est un peu le côté sniper. Et puis, la deuxième chose, c'est l'aller-retour constant entre le détail et la stratégie. La gymnastique intellectuelle constante entre le micro-choix dans les spécifications et revenir tout en haut à pourquoi on fait ça, c'est quoi la stratégie, c'est quoi le KPI, la grande métrique qu'on essaye d'impacter. Et ça, encore une fois, c'est crucial dans le rôle, c'est quelque chose que vous allez faire tout le temps. Et donc, on va, par exemple, en process d'entretien, le tester avec le case study que vous allez peut-être avoir dans vos entretiens. Voilà du coup, pour moi, les types de product manager, comment vous pouvez identifier et mettre en avant les compétences de votre parcours, et puis un peu l'état d'esprit du product manager. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Pierre qui va pouvoir nous parler un peu plus de son point de vue et donc notamment de Tiller. Du coup, Pierre, on a 4 questions pour toi. La première, c'est... excuse-moi, je vais juste dire les 4 questions si ça te va et puis je te laisse y répondre. Comme tu veux. Quels sont un peu les profils dans ton équipe à toi et leur background? Est-ce que toi, tu as des attentes particulières en fait sur des profils plutôt type reconversion? Comment toi, tu es arrivé au produit? Et puis, est-ce que toi, tu as un peu des no-go en entretien quand tu recrutes? Voilà, et je te laisse prendre la suite. Ok. Je ne vais pas m'interrompre. Alors, les profils dans mon équipe, aujourd'hui chez Tiller, j'ai 3 personnes dans mon équipe, donc un UX designer qui est en freelance et 2 PM. Je vais me concentrer sur les 2 PM, vous allez voir que c'est 2 profils totalement différents. Donc, j'ai Caroline qui pour qui c'est son premier job. Donc, elle a 24 ans, c'est un peu ma PM marketing, pour reprendre tes types de PM, Maya. Avant, elle a une formation en communication qu'elle a complétée avec une école de commerce, un master en école de commerce, et elle a fait le wagon pour avoir la dimension tech. Donc, elle a fait le wagon en une formation full stack. Voilà, c'est un profil qui est hyper dynamique, qui fait plein de choses et qui est ouvert à faire plein de projets tout le temps. Et mon deuxième profil, c'est Jean-François, qui a 50 ans. Profil totalement différent, qui est ancien producteur de DJ, qui a voyagé dans le monde entier avec ses DJ et qui est rentré dans le produit, ça c'est assez intéressant pour le coup, qui est rentré dans le produit chez Believe. Donc en fait, il a commencé à faire du produit en devenant product manager pour un produit qu'il utilisait précédemment. Donc il est rentré chez Believe, qui est un SaaS destiné aux producteurs de musique. Voilà, et donc lui, pour le coup, c'est mon PM workflow. J'ai assez reconnu dans tes descriptions tout à l'heure. Voilà, qui m'aide beaucoup dans la mise en place de workflow, dans mon Jira, création de neurones noirs, etc. Voilà pour ces profils-là. Les attentes que j'ai sur la reconversion, je dirais que la première chose, c'est que le candidat doit avoir conscience de ses forces. Il doit avoir conscience que ce qu'il a fait précédemment va lui aider à devenir un bon product manager. Il y a forcément, comme Maya, tu l'as dit, plein de choses que vous avez fait avant dans votre job précédent qui vont vous servir dans le produit, en hard skills ou en soft skills. Donc, la première chose, c'est que cette personne ait conscience de ça. La deuxième chose, c'est que, comme c'est des profils qui ont, vous êtes des profils qui avaient une expérience précédente professionnelle, vous devez, je pense, avoir conscience de la place du produit dans la boîte. Quel est son positionnement par rapport aux stakeholders? Qu'est-ce qu'il va apporter? Quelles sont les questions auxquelles il doit répondre, etc. Donc ça peut paraître anodin. Ça fait partie des soft skills, quand même, la gestion des différents stakeholders de l'entreprise. Mais pour moi, quelqu'un qui a l'expérience doit avoir cette conscience, cette connaissance-là et réaliser où est le produit dans l'entreprise, quoi. Qu'est-ce qu'il va apporter, quelles sont ses utilités, quelles sont les attentes que les autres stakeholders ont. Comme normalement, vous avez été un des autres stakeholders, et vous avez des attentes particulières, et donc ça, c'est un énorme plus pour l'équipe produit, in fine. Et encore plus quand c'est une reconversion dans la même entreprise, en fait. Parce que vous avez en plus les attentes clients potentiels, ou prospects, ou du marché, selon le job dans lequel vous étiez.
comment est-ce que moi je suis arrivé en produit? Je ne suis pas vraiment un bon exemple puisque je suis arrivé totalement par hasard dans le produit, enfin totalement oui et non. Pour faire une très courte description de mon parcours, j'ai fait une formation en gestion d'entreprise à la fac. Ensuite, je suis parti au Royaume-Uni faire avoir cette vision de la gestion d'entreprise british. Donc, je suis parti à Édimbourg. Je suis revenu à Paris faire un master spécialisé dans une école de commerce en entrepreneuriat, innover entreprendre, sur laquelle on se posait énormément la question. C'était pendant 8 mois. C'était quel est le problème client? Trouve un problème client, va trouver une opportunité business. Et donc, dans ma tête, je ne pensais qu'à ça pendant cette année-là. Et depuis, je ne pense qu'à ça aussi. Et donc, à la fin de mes études, j'ai essayé de monter des projets qui se sont tous lamentablement foirés. Et au bout d'un moment, il a fallu trouver un boulot pour payer un loyer, tout simplement. Et dans ma recherche de boulot, je cherchais surtout une aventure et surtout un projet qui me fasse vibrer. Et donc, au fil de mes recherches, j'ai trouvé une boîte qui s'appelle Balinéa, qui s'appelait Balinéa puisqu'elle a changé de nom, qui est un site de réservation sur beauté bien-être. Et donc, cette aventure-là me bottait. Je voulais bosser là-bas. Et j'avais trouvé deux jobs, un en business developer et un en product manager B2B. Et donc, j'ai postulé aux deux. J'ai envoyé, bref, ma candidature. J'ai été reçu et à l'entretien, Gauthier, qui était CMO, CPO, m'a dit, mais ouais, what the fuck, t'es conscient que les deux jobs n'ont rien à voir. Business developer, PM. Je ne connaissais pas le job de PM. Je m'étais renseigné, bien sûr, un peu en amont. Et en fait, pour moi, le job de business developer, le boulot, il était de chercher des opportunités business pour aider l'entreprise à se développer. De par des nouveaux produits, des nouveaux marchés à attaquer, etc., mais surtout par les retours utilisateurs. Quels sont les problèmes que les utilisateurs du produit aujourd'hui rencontrent et quels sont potentiellement les autres business qu'on va développer pour aider le business à se développer. Donc, business developer, pour moi, voulait dire ça. Alors qu'en fait, business developer, c'est un chasseur pur, tu prends un client, tu le mets dans la bergerie et puis ensuite, on va s'en occuper au produit. Voilà. Et donc, à l'entretien, ça a été assez vite vu puisque en discutant, en demandant un peu plus de précision, j'ai dit direct, non, c'est PM que je veux faire. Et ça s'est bien passé puisque dans la foulée, j'ai rencontré, j'ai fait 4 entretiens en fait à la filée et puis 3 jours après, je commençais. Voilà. Et donc, pourquoi le produit? Ben voilà, enfin, bref, c'était vraiment client, problème client, trouver un problème client. Mes no-go en entretien, alors c'est assez dur d'avoir des no-go parce que, enfin, j'ai éteint ta flamme, c'est fini. Mais, classiquement, si quelqu'un ne connaît pas l'entreprise, ne connaît pas le produit, ne connaît pas le marché sur lequel on bosse, c'est hyper déceptif en fait tout de suite. Et tu sais que tu ne comprends pas trop ce que la personne fait là et tu n'as pas envie de perdre du temps ni que cette personne en perde. Mais il y a quelques points qui sont, qui tiquent, je dirais. Déjà, il faut une connaissance un peu business, je pense. Il faut que la personne sache bah, qu'est-ce que c'est un CA, un CA hors taxe, un CA TTC, passer notre marché à nous, on bosse pour les restaurateurs, et tous ces chiffres-là sont hyper importants. Qu'est-ce que j'ai d'autres comme questions qui me tiquent si j'ai quelqu'un trop lisse, vraiment nickel, alors c'est assez évident puisqu'on essaye tous d'être parfait un peu partout et de se perfectionner. Et moi, ça me saoule un peu. Donc j'ai tendance à rentrer dedans avec une question un peu what the fuck, sans trahir mes entretiens, j'ai des trucs un peu marrants pour que la personne soit un peu déstabilisée, mais de façon, enfin, en étant, comment dire, en restant professionnel bien sûr. Hein. Tu lui demandes pas de faire une roulade par terre ou une roue, non, ce genre non, de choses. Non, non, mais j'ai des petits trucs. Présente-moi ton téléphone, présente-moi. Je sais pas, la dernière connerie que t'as faite, enfin, des trucs un peu, trop lisse. Pour moi, il y a un truc qui se cache derrière et j'essaie de voir quel est le dark side un peu de cette personne.
Les produits que tu aimes, si tu m'as peur, stop, j'ai eu 50 fois un entretien. Je n'aime presque plus si tu m'as peur parce que, à cause de ça. Voilà, le pas de question à la fin, bien sûr, c'est hyper difficile. Tu as une question? Non? Bon, ben, ok. Forcément, il y a des. Alors, sans se dire, il faut absolument que je pose une question. Vous en avez forcément qui va arriver sur l'organisation produit, sur le marché, sur les perspectives, sur la roadmap, court terme, moyen terme. Enfin, c'est tellement facile, entre guillemets, mais il y en a quoi. Et ça, c'est hyper important de montrer l'intérêt. Et puis, il y a une réponse un peu piège, je trouve, qui est de dire les candidats qui me disent simplement, je suis là pour apprendre, quoi qu'il en soit. Je pense qu'en amont de dire ça, il y a un point important qui est quand même de dire qu'est-ce que toi, tu vas apporter à l'entreprise. Parce que c'est pas à l'école, quoi, entre guillemets. Mais moi, j'attends à ce que mon candidat, il m'apporte à moi, à mon équipe et à l'entreprise aussi, quoi. Voilà. Faire gaffe à dire, moi, je viens là pour apprendre, mais sans avoir mis en amont, en avant, qu'est-ce que vous allez apporter à l'équipe ou au produit, de par vos expériences passées. Hyper intéressant. Puis pour apprendre, bah, du coup, il y a Noé, of course. Exactement. Transition parfaite. Ouais. Trop cool. Bah, merci Pierre. Je vois qu'il y a déjà des questions en follow-up là-dessus. Bah, justement, moi, je voulais juste dire un petit mot sur Noé avant de passer aux questions. Si ça te va très rapidement. Du coup, Noé, c'est un programme de 4 semaines pour lancer votre carrière de PM. L'objectif, c'est que ce soit votre premier mois en tant que product manager. Donc, concrètement, on a 5 sponsors, Alan, Getaround, Stuart, Malte et Doctolib, qui nous apportent de vrais problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, vous allez travailler en tant que PM pour un sponsor pendant 4 semaines. Vous leur présentez ensuite votre taf, comme si vous étiez PM, donc chez Doctolib, chez Stuart, chez Malte, etc. On vous accompagne aussi pour le recrutement. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, notamment préparation à fond aux entretiens sur toutes ces questions-là que tu as mentionnées, mais aussi bah, des événements avec des product managers qui recrutent et des mises en relation avec après Noé, du coup. On a un outil avec nos alumni qu'on diffuse aux recruteurs. Et voilà, on a énormément de recruteurs qui nous contactent pour avoir accès à nos alumni Noé. Voilà, notre prochaine promotion finalement sera en 2021. On devait en faire une en novembre, mais on a décidé de la décaler pour pouvoir garder le programme en présentiel malgré le confinement. Voilà, du coup, bah, merci beaucoup pour votre attention. Et je vois qu'il y a déjà plein de questions, donc je vais laisser Jules prendre la main pour nous les poser, pour les sélectionner et nous les poser. Ouais, bien sûr. Bah, merci beaucoup à vous deux et merci pour vos questions. Il y a pas mal de questions, enfin deux questions en tout cas, sur le type PM Workflow. Est-ce que c'est la dénomination de demande Léo de Product Operation Manager que l'on peut retrouver parfois dans des job desks? Et est-ce que tu peux avoir des exemples concrets de ce que fait un PM Workflow? Ouais, alors du coup, non, c'est pas le Product Ops que effectivement j'ai vu passer. Ça, c'est un nouveau job en fait qui a vraiment pour but de améliorer la vie et le quotidien et les process de l'équipe produit en fait. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est pas vraiment un ou une PM, c'est Product Ops. Mais du coup, PM Workflow, bah, pour vous donner un exemple, je vous disais, c'est beaucoup le cas, je pense, dans des produits SaaS. Par exemple, Aircall, voilà, Aircall, du coup, c'est un SaaS, donc software as a service, c'est-à-dire on vend un software à des entreprises. Et dans ces produits-là, le concept d'efficacité est hyper important, en fait. Et donc, du coup, le type de product manager workflow, c'est des product managers qui vont être super bons pour rendre des flows dans un produit hyper efficace. Donc, ça peut être des flows de sign-up, ça peut être des flows de setup, ça peut être n'importe quel flow, en fait. Et l'efficacité, elle est encore plus importante en B2B sur du SaaS que dans d'autres produits. Voilà, je ne sais pas si du coup ça répond bien à la question, mais si tu as un truc à ajouter là-dessus, Pierre, ou pas, est-ce que tu es d'accord? Non, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Non, rien de spécial à ajouter. Ouais. Cool. Une autre question sur un autre type de PM, tu parlais du PM Tech. Est-ce que c'est un PO, demande Guillaume, si le framework Scrum est en interne, ou est-ce que c'est pas que ça? Ou est-ce que c'est autre chose même?
Pour moi, ce n'est pas du tout que ça. C'est vraiment le PO, c'est une partie du job de PM, quel que soit le PM, travailler au quotidien avec les devs sur l'implémentation de la feature. Et après, PM Tech, ça va juste être que il va travailler sur des sujets un petit peu différents. Mais tous les product managers vont à un moment donné bosser avec l'équipe tech pour l'implémentation des features. Yes. OK. Et du coup, une question qui est un peu liée, est-ce que PO, c'est un bon tremplin pour devenir product manager? Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? C'est un pan important du poste de PM, ouais. Ça peut permettre de valider un certain nombre de skills pour devenir PM. Alors après, il y a cette guéguerre PO-PM hein, qui est depuis très longtemps sur les dénominations, etc. Et comme tu as dit, Maya, il y a plein de nouveaux termes, de nouveaux jobs qui émergent autour du produit. Il y a plein de postes de PO qui sont en réalité des postes de PM. Et inversement aussi. Mais globalement, quand vous allez faire du PO, à proprement parler, vous allez faire plein de tâches qu'un PM fait. Et ensuite, vous allez pouvoir développer d'autres compétences en product marketing, plein d'autres choses pour compléter et devenir un PM complet. Donc oui, je dirais que oui, c'est un bon tremplin. Voire même que le poste, selon la définition et le scope, est peut-être même déjà un poste de PM, en fait. Et une question justement sur la reconversion. Marine, qui était avant CSM et ensuite PO-PM en startup pendant un an, et maintenant elle cherche un nouveau job, elle se demande, elle voit toujours des offres avec 3 ans d'expérience demandée, et elle se demande comment faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ce constat qu'ont pas mal de candidats? Vas-y, Pierre, je t'en prie, je rebondirai après. Je dirais qu'il y a deux options. Soit il faut changer la partie entreprise dans laquelle tu recherches, Marine. Donc, soit aller dans des boîtes plus petites ou plus grosses, selon tes préférences aussi. Soit rentrer dans le produit par un autre biais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes sur le marché. Peut-être qu'il y a des jobs de product marketing ou d'autres jobs qui sont liés au produit qui vont te permettre de rentrer ensuite en poste de product manager. Ouais, moi, je dirais juste un autre truc supplémentaire, c'est que très souvent, dans la manière dont les job descriptions sont rédigés, les recruteurs, les head of product, les CPO, les VP product mettent le candidat ou la candidate idéale. Et donc, il y a vraiment une liste de bullet points qui fait peur. Et en lisant ces bullet points, il n'y a personne qui match. Donc, il ne faut vraiment pas se mettre de barrière et se dire, il faut que je coche toutes les cases pour postuler. Il y a plein de personnes qui ont fait Noé, qui ont postulé à des offres où il y avait écrit minimum de 3 ans d'expérience et qui sont rentrés alors qu'ils avaient 0 d'expérience en produit. Ils avaient des expériences sur autre chose, mais pas en produit. Donc vraiment, je pense que faut pas se limiter par rapport à ça. Et après, faut bien travailler pour bien convertir les entretiens. Voilà. Ouais, effectivement, je pense que ça répond en partie à certaines questions de personnes qui se disent. Qui viennent d'autres secteurs que le digital, chef de projet en aéronautique, ou une personne qui est dev et qui se demande comment passer PM. Je pense que justement, ça répond. Peut-être que vous avez des éléments sur ces jobs-là, en particulier chef de projet et dev, des reconversions en PM. Ouais, chef de projet et dev, vous avez vu dans les deux cas un pan assez important du product management. Donc, vous avez plein de skills validés, entre guillemets. Donc la solution c'est Noé, non? Pour valider tout ça. Merci Pierre. On n'a pas payé Pierre pour information. Je dirais aussi juste que effectivement du coup là la partie que vous maîtriserez c'est la partie delivery en fait et la partie PO et la partie gestion de projet qui est importante et donc c'est cool et c'est sur cet acquis là que va falloir vous reposer. Néanmoins,
Moi, personnellement, ma vision là-dessus, c'est un peu que c'est la partie qu'on peut aussi apprendre sur le tas versus tout un tas d'autres choses, notamment les logiques de priorisation, les logiques de comprendre un problème qui est un état d'esprit qui est un peu plus difficile à gagner. En tout cas, moi, dans la manière dont j'observais les candidatures que j'avais quand j'étais VP Product chez Aircall, j'étais attentive à cette partie-là, qui est la partie vachement discovery aussi, quoi. Ok, je réponds juste à Ziad qui a cru voir une slide sur des soft skills. Et effectivement, il y a une slide qui est passée, mais en fait, on va la garder pour la semaine prochaine. On parlera justement dans deux semaines, pardon, le 1er décembre. On parle des hard skills et des soft skills. Voilà, mais nouveau webinar. Vous pouvez vous inscrire déjà sur noe.pm/events. Il y a une question sur est-ce que le PM est leader des expérimentations type A/B testing sur le produit dans le but de définir, optimiser, comprendre des métriques? Bah pourquoi pas, ouais. Ça dépend sur quel sujet, en fait. Mais oui, carrément, en tant que PM, vous allez faire de l'A/B test potentiellement à plusieurs moments pour tester différentes hypothèses, pour tester différentes solutions. Et si vous le faites, bah oui, ce sera vous l'honneur. Après, par exemple, chez BlaBlaCar, on avait aussi vachement d'A/B testing qui tournait sur des landing pages purement d'acquisition. Et ça, du coup, c'était plutôt le domaine de l'équipe marketing. Donc, ça dépend du but de l'A/B testing, mais a priori, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Oui, ça dépend aussi de l'orga. Sur des orgas produits avec 200 personnes au produit, il peut y avoir des personnes dédiées. Mais dans 90% des cas, pour moi, c'est le job du PM de confirmer par la donnée les différentes hypothèses et l'A/B test. C'est pour ça. Donc pour moi, c'est au job de PM. Ouais. Et ça peut être aussi au job de designer aussi. Ouais, carrément, ouais, sur la partie solution, quoi. Ouais. Question précision. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Christine, par là, mais la question est quelles sont les parties du métier de PM qui peuvent s'apprendre sur le tas pour le rebondir sur le point de Maya quand elle faisait passer les entretiens chez Aircall. Bah, bonne question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse précise pour moi à cette question. Ça dépend trop des boîtes, de ton profil, du type de poste de PM en question. Donc difficile d'y répondre. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport au côté delivery et PO, c'est que je pense que cette partie-là peut particulièrement s'apprendre quand on arrive. Enfin, moi, je me rappelle quand je suis arrivée en tant que PM chez BlaBlaCar, j'avais jamais fait de produit avant. Cette partie-là, c'est la partie que j'ai vraiment apprise au quotidien avec l'équipe tech sur comment on alimente la tech, comment on fait un sprint, une rétrospective, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Ouais, ça va dépendre aussi du positionnement de la boîte, à quel niveau elle en est, est-ce qu'elle est est-ce que c'est une scale-up, est-ce qu'elle est une start-up, où est-ce qu'elle en est, etc. En fait, on va, le VP ou le CPO va davantage accepter de manques et de choses à apprendre sur le tas pendant l'entretien, selon le statut de la boîte. Il y a certaines boîtes qui vont accepter que la gestion des sprints, ça prenne. D'autres qui vont dire non, il faut absolument que la personne qui arrive sache gérer un sprint, sache connaître les grooming, les rétros, les sprint reviews, etc. Alors que dans d'autres cas, la boîte a le temps de former ces personnes-là. Donc, ça dépend vraiment de la boîte, de la personne et du fonctionnement aussi de l'équipe produit et tech. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste ajouter un point parce que je vois qu'il y a pas mal de discussions dans le chat sur PO et PM. C'est vrai qu'on n'est pas trop revenu sur la différence entre les deux. Et globalement, le message pour moi, c'est juste ne vous attardez pas dessus parce que c'est un truc vraiment pas clair. Il y a plein de gens qui disent PO alors qu'ils veulent dire PM ou qui disent PM alors qu'ils veulent dire PO, pardon. Juste de manière schématique, si vous regardez sur Internet, PO, c'est la partie delivery, c'est-à-dire quotidien, gestion de projet avec les devs, et PM, c'est la partie plus discovery, donc un peu plus de stratégie, de compréhension des problèmes sur lesquels on travaille et priorisation. Sauf que en réalité, dans la plupart des cas, le rôle, il couvre ces deux dimensions-là. Donc, je vous encourage à pas trop vous attarder sur PO ou PM, mais plutôt aller lire le détail du job pour les boîtes pour lesquelles vous postulez pour comprendre de quoi il s'agit, quoi. Peut-être une dernière petite question, je vois qu'il est 13h39. Ouais.
Oui, carrément, on répondra de toute façon à vos questions si on n'y a pas répondu par mail. Certaines personnes insistent, Pierre, pour que tu partages tes questions sympas, mais peut-être que tu veux certainement les garder pour toi. Contactez-moi sur LinkedIn, je vous enverrai des trucs. Et sinon, bah, c'est aussi cette question de justement de reconversion. Alina se demande comment on peut trouver des opportunités, des side projects pour enrichir son expérience PM par des stages, réseautage, startup week-end. Est-ce que vous avez des... Ah bah, les side projects, c'est hyper riche, hein. Hyper intéressant. J'ai eu des candidats qui avaient en effet des side projects, qui en fait ont toute cette approche à la fois de priorisation et potentiellement à un certain moment de delivery aussi, donc avec des maquettes, avec des features. Et là, la discussion est hyper riche, quoi. Alors, tiens, pourquoi tu as fait telle feature avant celle-ci? J'ai décidé que ça, parce que enfin, j'ai fait telle priorisation pour telle raison. Et un side project est super intéressant, quoi. Ça va montrer que vous validez un certain nombre de skills, quoi. Trop cool. Bah, je crois que je suis totalement d'accord avec Pierre là-dessus. Et du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour terminer à l'heure. Bah, merci beaucoup, beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été là aussi. Du coup, bah, effectivement, on a eu un petit teaser. On a un nouveau webinaire dans 2 semaines sur les hard skills et soft skills pour être un bon product manager. Donc voilà, vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site. Merci encore à tous et puis on vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci tout le monde. N'hésitez pas si on a oublié des trucs, à poser des questions sur LinkedIn, Twitter, chez Disco. Trop cool, merci. Au revoir tout le monde. Salut. Oh, bah cool.